été super. En tout cas, moi, j'ai un très bon retour pour moi personnellement, en tout cas déjà, d'avoir vu une super expérience avec d'autres, en fait, déjà. Moi, c'est ce que je recherchais également au niveau de cette formation en permaculture, hein, de pouvoir vivre une expérience avec d'autres, voilà, partager nos richesses. Chacun, on a des choses à s'apporter, on est assez complémentaires. Et puis, bah, le fait de vivre comme ça un petit peu en communauté, c'est chouette parce que voilà, on s'organise, en fait, hein, ça qui est super, et puis on se rend compte qu'on arrive quand même à vivre comme ça à plusieurs, on s'organise bien, ça se passe très bien, même si des fois c'est un peu, on a une petite crainte, c'est normal, hein, on a un peu peur tous, un peu d'inconnu, mais moi j'ai vécu ça super, super bien. Je ne regrette pas d'être venue à cette formation, en tout cas. Il y a beaucoup de connaissances, il y a de la richesse. Merci à Louis d'apporter vraiment des bons éléments. Moi, je vais appliquer ce qui m'a été transmis, en tout cas. J'ai trouvé ça super. En général, bon, ce qui est enrichissant également, bon, il y a de la théorie, mais ce que j'adore vivre, c'est la pratique, hein. Là, ça prend forme, en fait. On fait corps avec ce projet. Ce qu'on nous propose là, la permaculture, c'était très chouette. Donc, en plus, on a là derrière la vue du coup du site où on a pu travailler ensemble, tous ensemble. Et puis, bah, c'est une belle énergie ensemble. Et puis, on a profité de super moments aussi, de temps de pause auprès d'un feu. C'était chouette, vraiment. On nous a même proposé d'aller dans un jacuzzi. Bon, le temps ne s'y prêtait pas forcément, mais on aurait pu. C'est vrai qu'on a accueilli aussi dans un gîte super près de ce site sur Moustier en Fagne. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir suivi cette formation. Ça m'a apporté beaucoup et moi-même, j'ai apporté d'autres éléments. C'est un super partage en tout cas. Merci à toi, Louis, à cette super organisation. Bravo à toi aussi parce que tu es même venu jouer du ukulélé. On a adoré ça. Et le soir aussi, on a pu faire des jeux parce que ça, c'est une formation qui est prise toute la journée, hein, assez tôt le matin jusqu'à presque 22 heures passées au soir, où on a pris des moments entre nous pour apprendre à se connaître également avec des jeux participatifs. C'était vraiment très bien, très riche. Il y a vraiment un peu de tout et on retrouve l'humain comme ça, on se retrouve. Hein, il y a des interactions qui se font, on retrouve l'humain et j'ai trouvé ça très bien. Merci à toi, Arbra Culture.